Nouveau modèle dans la gamme TGB Blade 2012, le 500 SLF utilise des solutions techniques éprouvées et abordables afin de limiter les coûts. Si l'alimentation par injection et les jantes en aluminium n'ont pas le droit de citer sur cette version, le Taïwanais n'est pas un baroudeur au rabais pour autant. Transmission intégrale débrayable, amortisseur IRS et pléthore d'équipements sont ici proposés de série, faisant du Blade 500 SLF le produit anti-crise par excellence. Sans surprise, ce modèle reprend les lignes archi connues de la gamme Blade. Carrosserie typée SUV, double échappement centralisé, feu lenticulaire, phare directionnel, le design reste agréable et le gabarit big size est toujours aussi valorisant. Le cœur du 500 SLF n'est autre que le fameux monocylindre 4 temps à refroidissement liquide de 461 cm3, apparu il y a presque 2 ans dans la gamme TGB. Ce moteur peut être utilisé en gamme courte ou longue ainsi qu'en marche arrière, d'autant qu'une touche override permet de libérer toute la puissance lorsque le pilote décide de reculer. Capable de passer en 2 ou 4 roues motrices d'une simple pression du pouce droit, le 500 SLF peut également bloquer son point avant pour se sortir des situations les plus délicates. Mais malgré son prix d'attaque, n'allez pas croire que le Blade 500 SLF a sacrifié ses équipements sur l'autel de l'économie. Protège-main, élargisseur d'aile, crochet d'attelage, vide-poche fermant à clé, bouchon d'essence avec serrure, prise 12 volts, Neyman, treuil électrique et porte-paquet arrière sont de la partie pour rendre les randonnées plus agréables que jamais. Le tableau de bord digital affiche quant à lui de très nombreuses informations, horloge, compte tour, jauge à essence, odomètre, voyant de transmission intégrale et de blocage du différentiel, tout est là. Richement doté sur le papier, ce TGB ne déçoit pas une fois lancé sur le terrain. Impressionnant pour le commun des quadeurs du fait de son gabarit imposant, le Blade 500 SLF cache habilement son jeu en proposant une prise en main aisée malgré un embonpoint certain. Dès les premiers mètres, les kilos superflus se font oublier grâce à une direction réactive et un train arrière très facile à placer en courbe. Malgré la présence d'amortisseurs indépendants qui augmentent sensiblement le confort face à un essieu rigide, le quad reste toujours joueur et fun à piloter, d'autant que sa motorisation est particulièrement vive à bas régime. Proposé à moins de 6 000 euros, ce nouveau Blade devrait sans aucun doute séduire les baroudeurs économes.